Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce jeudi 8 décembre. C'est Jérémy Delsol pour votre matinale, il est 8h30 et j'espère que tout le monde va bien. On va se pencher bien sûr comme d'habitude sur les graphiques dans un instant. Je vais venir sur le chat aussi saluer tout le monde, mais d'abord comme d'habitude le calendrier économique. Je vais le rafraîchir rapidement, on va voir ce qui nous attend en termes de publication ici à l'heure actuelle. Du coup pour aujourd'hui déjà, on a eu des publications courantes cette nuit. Du côté du dollar australien, notamment à 1h30 balance commerciale. Du coup, pour ceux qui sont sur le forex, le dollar australien, ça peut être intéressant de voir la réaction qu'il y a eu. Sinon, côté espagnol, c'est pas avant 12h30. De toute façon, ce matin, qu'on a des choses qui commencent relativement à être intéressantes, puisqu'on a la confiance des consommateurs côté espagnol. Discours ici, côté CHF, à 15h30 attendu du côté de la Banque Centrale Suisse. Et littéralement, rien d'autre pour ce jeudi qui est bien très léger. J'ai failli oublier quand même le plus important, revendication chômage initial, côté américain, 14h30. Donc voilà, ce sera un petit peu, quand même, faut le dire, l'événement de la journée, clairement, étant donné ce qu'on a à titre de publication pour aujourd'hui. Vraiment, les yeux vont se tourner, j'ai envie de dire, vers cet horaire 14h30 pour les revendications chômage initial US, tout simplement. Donc voilà ici pour le calendrier. Je vous rappelle qu'on est live tous les jours, bien sûr, sur YouTube et en simultané sur Zoom. Donc je vous partage le lien si c'est plus pratique pour vous. Le dernier webinaire de l'année, ce sera véritablement celui de la semaine prochaine, le 15 décembre de 19h à 20h30. Un webinaire plus long que d'habitude, 1h30, réservé uniquement pour les clients sur le compte réel chez Admirals. Pour entrer dans le détail, on a commencé à avoir des choses très intéressantes ensemble dans le webinaire de mardi soir que je vais vous mettre en replay aujourd'hui même, et on ira plus loin encore dans cette présentation et dans ces analyses qu'on fera bien sûr au niveau technique, fondamentale, de psychologie de trading, astuces de trading, etc. Tout ce qu'il faut pour bien vous préparer aussi et pour bien faire le point pour 2023. Donc je vais vous partager le lien ici aussi bien sûr pour ce dernier webinaire très très important. N'hésitez pas à nous y rejoindre, ça va durer 1h30, ce sera jeudi soir prochain, du coup la semaine prochaine bien sûr. Partie actualité de marché qui s'actualise au quotidien ici, je vous partage ça. Il y aura bientôt l'idée trading de la semaine qui sera publiée justement ici. Pardon. Et du coup, vous pourrez aller voir ça. Je vais aller sur les graphiques dans un instant. Je vais venir vous saluer aussi sur Zoom, Emmanuel qui nous disait bonjour à tous et bon trade à tous. Bienvenue à toi Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Et on était aussi sur le chat avec Marc qui nous disait bonjour Jérémy, ainsi qu'à toutes et à tous. Bon trade à tous aussi. Bienvenue à toi du coup Marc, j'espère que tu vas bien. Bonne séance bien évidemment à tout le monde. Jérémy aussi qui nous dit salut à tous et bon jeudi à tous. Pouce numéro 3, merci beaucoup. Ça fait plaisir du coup Jérémy, bienvenue parmi nous. J'espère qu'on aura tous une belle séance. C'est clair Philippe qui nous dit bonjour Jérémy. Voilà à toutes et à tous. Bon très bienvenue à toi Philippe aussi. On a du coup Amir qui nous disait US Oil. On va passer sur le Brent. Dis-moi si tu veux qu'on aille voir aussi le WTI tout à l'heure. Très très similaire de toute façon bien sûr. Jérémy qui nous dit ici à la Réunion. On démarre la journée à 11h30, 3h de décalage en ta compagnie. C'est toujours un kiff. Excellent Jérémy, excellent. En plus, ouais, c'est assez pratique de pouvoir démarrer la journée plus tard, clairement à 11h30. Donc très content que tu sois avec nous et que ça te plaise tout ça, bien sûr Jérémy. Cyril qui nous dit aussi bonjour, le pouce pour commencer. Bien, merci beaucoup, bien sûr Cyril aussi, pour le like au quotidien, ça fait toujours plaisir. Ariane qui nous dit bonjour depuis le pays de l'heure, la Russie. Salut à toi Ariane, du coup tu dois aussi avoir un décalage horaire, il doit cailler en ce moment, peut-être en Russie, en tout cas on en dort ici. Du coup il a neigé récemment, donc il fait bien frais déjà. Michel qui nous dit bonjour, Jérémy à toutes et à tous, bienvenue à toi aussi Michel, Freddy également, Chris aussi merci pour le 9e pouce, Jonathan aussi qui nous dit bonjour Jérémy les traders, bonne matinale et bon trade à tous à toi aussi, bienvenue bien sûr. Sophia également qui est des nôtres qui nous dit enfin une journée de libre pour trader, les lives me manquent. Merci beaucoup Sophia pour ton message, très content que tu puisses être avec nous aujourd'hui, j'espère que en l'occurrence la séance va être sympathique. Daniel qui nous dit bonjour Jérémy, bonjour à tous, bienvenue aussi Daniel, pardon. Jonathan qui nous envoie du coup des likes, ça fait plaisir, merci. Et Eric qui nous dit aussi bonjour et toujours content d'être là, ça fait plaisir à entendre, à lire aussi. Eric Brice aussi qui nous dit bonjour Jérémy, bienvenue à toi. Franck également, Didier qui nous dit aussi bonjour Jérémy, bonjour à tout le monde. Mega Drawdown et again, un manque de rigueur. Alors est-ce que, bienvenue à toi Didier, désolé de l'apprendre en tout cas, manque de rigueur, donc ça veut dire que c'est ça qui a constitué ton drawdown j'imagine. Donc si c'est ça, c'est une relative bonne nouvelle on va dire, parce que tu sais d'où ça vient, et c'est juste un manque de rigueur, c'est pas ta stratégie peut-être qui est mise en cause, tu vois ce que je veux dire Didier. Toujours tirer le bon du coup de n'importe quelle situation pour avancer, c'est important. Emmanuel qui nous dit bien le bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Emmanuel. Adam également qui nous disait première fois ici, content de vous rejoindre avec plaisir ici.
N'hésite pas, hein, si t'as des questions, justement. On est live, en fait, hein, tous les jours, 8h30 à 10h ici. Donc, c'est l'occasion, bien sûr, de partager beaucoup de choses. De Bess qui nous dit aussi bonjour à tous, bienvenue à toi. Témère également, Joseph aussi, bienvenue à tout le monde. Une fois de plus, content de vous retrouver ce matin. Alors, on a ce JP225 ici qui était reparti, hein, vous vous rappelez, sous la barre donc des 27 750 points. On est revenu tester la zone support S1 mensuelle et on a surtout donc cassé un niveau majeur pour le moment. Donc, il sera obstacle, hein, sur le test et le retour possible ici. On va voir dans le détail sur le graphique horaire. En fait, on a créé un trading de range autour de ce niveau aimant. Donc avec pour borne haute autour bien sûr des 27 860 points, pour borne basse 27 650 points. Ça a travaillé avec des fausses cassures et intégration. Là on a cassé, on a même fait un gap baissier pour faire vraiment le test de la zone support S1. On est sur le souhait de revenir petit à petit sur les 27 650. Donc une séance nocturne ici, hein, du côté de la bourse de Tokyo, plutôt positive comme vous pouvez le voir. Alors on va voir justement si on peut avoir des rebonds et des choses intéressantes sur le TAX, puisqu'en graphique journalier on est quand même sous les 14 350 issus, hein, ici ce mouvement bien sûr d'une grosse grosse tendance assez rapide à la hausse, hein, ici ce petit rallye de fin d'année qu'on pourrait dire. On est venu se taper, taper deux fois bien sûr la résistance des 14 600 points, on a rangé un petit peu et puis là on a breaké un peu par le bas. Par contre attention, on est limité par ces mèches aussi précédentes, hein, les acheteurs n'ont pas dit leur dernier mot, donc faut faire bien sûr attention. Et on s'est aperçu quand même hier aussi de la séance de range, hein, qui régnait vraiment ici avec donc cette borne haute à chaque fois pour tenter les retours. Ensuite, on est parti un petit peu plus haut. Ici, je vous ai d'ailleurs actualisé la nouvelle zone de range, hein, qui est désormais pour ma part établie entre les 14 250 points et 14 325 points. Un prix médian qui règne autour des 14 287,50, qu'on est d'ailleurs en train de travailler et de tester. Donc, trading de range jusqu'à preuve du contraire. Attention à des fausses cassures par le haut, puisqu'on a une belle zone avec ces fameuses. Cette fameuse, pardon, 14 350, mais je veux dire ces fameuses mèches qu'on a eues ici et là, et une petite sortie d'ailleurs par là qui a permis la réintégration. De l'autre côté, on a aussi des mèches, hein, ici par là, une petite cassure, plus que plus belle cassure, j'ai envie de dire ici, plus concret bien sûr, mais réintégration juste derrière. Donc vraiment, ça va être, hein, pour ma part aujourd'hui, la question de ce trading de range ici, qui sera au premier plan, hein, vraiment pour le DAX, entre les fameux 14 325 et donc les 14 250 points. Si je rajoute les points pivots, on a en plus une très belle concordance apparemment, point pivot du jour sur le niveau médian, la R1 sur la résistance clé des 14 350, et une très belle concordance aussi avec la S1 et notamment les 14 200 points. Donc voilà, ici on va bien faire attention sur le début de séance, puisqu'on est en plein milieu d'une zone de range, réintégration ici, du coup, hein, plutôt up comme ceci, vous voyez, on a tapé un petit peu, on a essayé de partir une dernière fois pour mieux réintégrer et la breaker, et du coup, on fait des vagues haussières pour le test du prix médian pour l'instant. Alors, le CAC 40, donc bien sûr, vous savez que ça veut dire borne haute, borne basse, hein, les scénarios quand je vous parle de range et des breakouts convaincants pour de la nouvelle poussée, c'est-à-dire soit une relance de la tendance précédente, soit du coup la nouvelle tendance. En ce qui concerne la bourse de Paris, ici, on continue le rejet des 6800, petit à petit ici, en direction peut-être même des 6575. Alors c'est pareil, hein, les acheteurs n'ont pas dit leur dernier mot. On a une zone résistance ici qui fait support-support également. On va voir tout ça dans le détail sur le graphique horaire. Bien sûr, voilà, on dézoome un petit peu et on retrouve ici cette partie un petit peu résistance, résistance qui passe support, support, qui fait encore support et qui se trouve être même la borne basse de la zone de range que j'ai actualisée ici pour vous. On va rajouter les points pivots, on a la R1 borne haute d'ailleurs qui est pas si mal que ça avec les 6700, la zone support S1 un peu en sécurité sous les 6650 points, le point ici médian de cette zone les 6675 points juste au-dessus du point pivot. Donc pareil ici, trading en range à l'heure actuelle, borne haute, borne basse et breakout convaincant sinon pour vraiment avoir du décalage. Mais en attendant ici, hein, vraiment ce qu'on a sur ces marchés là, c'est vraiment de la consolidation qui règne. Je préférais être quand même relativement vendeur, je vous avoue, sur du coup le CAC et le DAX pour le moment ce matin. Après on verra bien sûr si on est capable d'aller chercher la borne haute pour rejeter, puisque c'est là littéralement qu'à l'heure actuelle se trouvent les meilleurs prix vraiment pour les vendeurs. Alors meilleur prix, j'ai envie de dire, même encore avec une fausse cassure, c'est là où vraiment on a encore les meilleurs des meilleurs prix possibles, hein, clairement pour la vente si du coup le marché continue d'agir sous pression vendeuse. Mais on verra ce que nous réserve cet open. En tout cas, on restera sur le 5 minutes et on est, hein, vraiment aussi pas loin du prix médian de la zone de range comme un petit peu sur le DAX. Et même là on voit sur le
5 minutes qu'on a rangé un petit peu récemment, alors que le DAX est un peu plus directionnel dans cette réintégration de range. La bourse de Londres ici avec le FTSE 600, toujours en rejet aussi des 7600 points. On trouve un petit peu de rebond dans cette zone, dernier sommet un petit peu, alors dernier sommet journalier là bien sûr, mais celui d'avant ici qui marquait la résistance, marque un petit peu le soutien, le support ici aussi. On va aller voir sur le graphique voir où on en est. Et du coup, en regardant un petit peu les informations vraiment que vous obtenez en regardant la partie gauche de votre de votre graphique, a vraiment de la valeur aussi, bien sûr. Donc là, on voyait un range un petit peu se faire ici. Du coup, là, on a eu un peu la réintégration. On n'est pas venu jusqu'à la borne basse, on est venu jusqu'à un niveau ici intéressant des 7600. C'est quoi? C'est 7467,50 ici, ou sur lequel on a en fait marqué déjà un rebond. Donc on va déjà juste afficher les points pivots. Pour moi, on a une zone de range actualisée ici quand même, puisqu'on a pas mal de tests qui se font sur la borne haute, et on a quand même des tests assez intéressants ici sur la borne basse en réintégration, les 7500 d'ailleurs pour le moment à l'heure actuelle. Donc laissé en support jusqu'à présent, on va voir si l'open nous permet de ressortir ou de marquer vraiment le souhait de continuer cette réintégration prix médian, non loin d'ailleurs de la R1, et ensuite borne haute, pourquoi pas autour des 7567,50. La R2, vous la voyez au-dessus encore en concordance cette fois avec les 7600, encore une fois un niveau clé bien sûr important, attention. Donc intégration de zone de range pour le moment avant open, on va voir si l'open nous permet de sortir, je vous le disais, ou de marquer et concrétiser vraiment cette réintégration. Mais le FTSE ici, du coup je pourrais commencer à l'avoir justement sur un billet plutôt acheteur et réintégration, donc pourquoi pas ici à regarder justement comment ça va se passer sur des tests autour de cette borne basse. Ça pourrait être intéressant de voir comment ça se passe justement, et on va être dessus sur le FTSE 100 pour voir la hausse possible en réintégration. Alors, hop, on va partir sur le 5 minutes. Et on va partir surtout sur les marchés américains. Belle réaction qui continue depuis la borne haute. Ici, de ce canal baissier important daily sur le S&P 500. Allez, je reviens sur le chat. Joseph qui nous dit bonjour à tous. Oui, je l'avais lu, excuse-moi, bienvenue. 31e pouce pour Interactive. Salut Jérémy, bienvenue à toi Interactive, j'espère que tu vas bien. Raphaël qui nous dit bonjour à tous aussi, bienvenue à toi. Antoine également, tu nous dis s'il vous plaît, allez mettre le poulet. Le pouce, hein, je pense que tu voulais dire. Du coup, de combien Didier? Emmanuel, tu nous disais aussi, Jérémy, à partir de quelle date de ce mois les marchés deviendront calmes? Alors, moi, de mon côté, si tu veux... Je vais arrêter d'être intéressé, on va dire, par des opportunités sur le marché quand je trade ici, à partir en fait de la fin de la deuxième semaine. C'est-à-dire que là, en gros, ce sera le 16, vendredi 16 au soir. Après, je laisse les deux dernières semaines du mois de décembre se faire. Ça ne veut pas dire que les deux dernières semaines du mois de décembre vont être calmes. Des fois, on a des mouvements un peu violents pendant les fêtes, justement. La question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment des mouvements dans lesquels on veut du coup se trouver, on veut trader, alors que du coup, on est en période de fête aussi, qu'il faut bien faire un petit break et qu'on a aussi moins de participants présents sur les marchés. Donc tu vois, ici, c'est la question à te poser. Le mieux, une fois de plus, c'est le backtest. Mais à ce moment-là, il te faut quand même pas mal d'années pour savoir si cette période-là est relativement intéressante pour vraiment ta méthode à toi à trader, en fait. Hein. Cyril qui nous dit, du coup, tu m'as effacé un message. Non, j'ai effacé aucun message ce matin, Cyril, ici. Remets ton message si tu veux, mais j'ai effacé aucun message. Arona qui nous disait, bonjour à tous, bienvenue à toi, Arona. J'espère que vous allez bien. Un petit passage de soutien, le pouce bleu et du coup pour booster de dopamine pour notre hôte, n'hésitez pas. Un grand merci Arona, ça fait super plaisir, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien de ton côté aussi. Toujours un plaisir de voir que tu passes nous faire un petit coucou dès que tu peux sur le chat. Nicolas qui nous dit coucou, du coup. Oui, je le dis beaucoup du coup, exactement, c'est vrai. Konat qui nous disait bonjour à tous et du coup bonne séance de trading. Bienvenue à toi aussi Konat. Alors, on regarde le S&P 500, je vous le disais, Roger de la Borneau d'un canal baissier. On est en train de passer même et de confirmer, puisque déjà hier on a une clôture sous le point pivot journalier, on se dirige en fait sur les 3900. Donc une belle zone support, puisqu'ici résistance, support attendu, support ici dans le passé, résistance, support, bref, un niveau bien sûr regardé et du coup étudié bien sûr sur les 3900 pour le S&P. On va voir aussi qu'on est en train de ranger aux abords de ce niveau-là. Après toute la récupération du mouvement ici associé à cette hausse-là, on a récupéré, on a même été plus bas. On a trouvé une zone de consolidation. Donc on est limité pour l'instant entre les 3950 bornes hautes et résistances et les 3920, tout simplement en fait la borne basse qui a été testée une fois, deux fois, trois fois, la borne haute une fois, deux fois, limite trois fois ici. Donc du trading en range en fait, bien évidemment encore et encore ici, un peu à l'image de ce qu'on a côté européen à l'heure actuelle.
et recherche de bornes hautes possibles à l'heure actuelle, justement ici. On a la R1 du jour pas loin du point pivot mensuel, le point pivot du jour sur le prix médian. La zone support est ça un peu en sécurité avec ses mèches précédentes ici. Donc attention, vous l'aurez compris ici, hop, on va, si vous voulez, même se mettre en 15 minutes. Mais attention en fait à des fausses cassures possibles, un petit peu comme on a eu ici. Et des fausses cassures aussi possibles, un peu comme on a eu là. Donc vraiment du trading de range avec des zones très proches hein, d'un côté comme de l'autre. Donc faire vraiment attention ici. Vraiment du trading de range plus qu'autre chose pour le moment. Pour y voir vraiment de la tendance, il nous faudrait pouvoir décaler le prix par le haut ici comme ça. Ou sinon commencer sérieusement à travailler une cassure possible des 3900. Donc voilà un petit peu ce qu'on a sur le S&P à l'heure actuelle. Je vais rester sur le graphique quand même, mais je voulais vous montrer ça un peu plus dans le détail. Ce qu'on a sur le Nasdaq 100, c'est des cotations qui reviennent légèrement sous les 11 550 points, un niveau clé, vous le savez bien, puisque support résistance dans le passé, bref, mais plutôt bien sûr support récemment. Là, on est en train de repasser un petit peu en dessous, donc je vous l'ai mis résistance bien évidemment. On va quand même dézoomer un petit peu le graphique. Vous vous rappelez qu'on a une grande zone de range ici, établie entre les 11 525 pour être précis, zone borne basse, support bien sûr. Et du coup la résistance des 12 050 par le haut. On a un prix relativement médian qui n'est pas du coup ici d'ailleurs. Alors, attendez, hop. On va dézoomer un petit peu, on va ajuster ça puisque c'est pas le prix médian de la zone. Ça va plutôt se retrouver autour des 75, j'ai l'impression ici. Voilà, et du coup à l'heure actuelle on est en train de négocier dans une zone de range qui est un petit peu incluse dans la zone de range précédente, parce que la délimitation ici de ce niveau là qui va être en fait les 11 525 marque légèrement hein, c'est pas ultra précis, c'est pas vraiment le prix médian de la zone, mais légèrement un prix médian un petit peu de zone de range, et c'est surtout en fait le point pivot mensuel ici qui nous délimite la zone de range actuelle plus petite avec un niveau comme celui des 11 580 points pour une borne basse, donc des 11 450 dans lequel on range en fait. Vous voyez un sommet, deux sommets, un creux, deux creux, même un troisième test ici si on veut être plus précis. Donc on est dans de la consolidation clairement ici dans cette zone, aux abords même d'une réintégration possible de la zone plus, beaucoup plus grande bien sûr précédente. Il nous faudrait avoir ce genre de choses pour un beau scénario de réintégration. On va déjà ajouter les points pivots. On s'aperçoit qu'on a la concordance PP mensuelle avec la R du jour. On est au-dessus du point pivot du jour d'ailleurs. La zone support S1 en sécurité un peu avec ses mèches par là. Donc pareil, attention à des fausses cassures par ici, des retests de bornes hautes par là. Du moment qu'on n'a pas des belles cassures, bien évidemment, attention au trading de range qui demeure vraiment et qui domine vraiment ces marchés boursiers, aussi bien européens que américains à l'heure actuelle. En ce qui concerne le Dow Jones 30, pareil, on repasse sous le niveau des 33 800, mais on travaille beaucoup les mèches précédentes et il y a du soutien pour l'instant. On repasse un petit peu d'ailleurs au-dessus du point pivot mensuel pour le moment. Mais tout ça parle aussi d'un trading de range établi entre les 33 650 et les 33 450 points. On essaye, c'est vrai, il faut le dire, une tentative ici à l'heure actuelle de sortie de cette zone de range. On a ce sommet là, on a des petites sécurités hein. Si on voulait vraiment ajuster ici, on pourrait voir tout simplement un petit peu plus, voilà, la hausse jusqu'au 675, en fait 33 675 possible comme borne haute quand même de cette zone de range du coup en travaux. Est-ce qu'on a des concordances ou pas? Non, la R1 se situe plus haut sur l'objectif suivant en fait, et la résistance suivante des 33 750 points juste ici aux abords du niveau clé majeur des 33 800. La borne basse de l'autre côté, c'est bel et bien les 33 450 points, et on a des niveaux à l'intérieur, on a le point pivot mensuel, le point pivot du jour, et ce niveau à peu près médian 33 550 points. Donc pareil en fait, hein, trading de range jusqu'à preuve du contraire, borne haute, borne basse. Il nous faudra des jolis breaks, mais on peut être rapidement limité par le haut avec ces zones obstacles très proches, et par le bas il nous faudra franchir aussi cette zone de sécurité entre la S1 et les 33 450 points. Voilà, on en est à l'heure actuelle. Donc, vigilance, c'est pas les setups et c'est pas les conditions les plus favorables, puisque à l'heure actuelle, on n'est pas dans de la tendance, ce qui est préférable pour la majorité des traders. Du coup, attention, puisqu'on est donc forcément dans du range. On a réagi récemment, vous vous rappelez, sur les 1 800 $ l'once d'or sur le gold pour revenir et respirer. Alors, prix médian zone de range, hein, pas vraiment atteint, mais du coup la zone a été un petit peu recherchée, il faut le dire, autour des 1762-63 $ l'once d'or à peu près. On a trouvé un petit peu de réaction. Le graphique horaire va nous montrer un peu tout ça dans le détail. On a eu du range ici qui s'est établi, on en avait parlé ensemble hein, bien sûr, cette borne haute des 1775 et du coup cette borne basse des 1766-50 à peu près. On a eu le break, donc là on est sorti de la zone de range pour récupérer un petit peu de cette baisse. Ça nous entraîne sur un autre niveau qui est présent en fait juste ici autour du coup des 1785 $ l'once d'or, testé récemment du coup ici support en résistance. Là on a essayé le support, on a réintégré, et là on est dans un entre-deux en train de se dire, est-ce que du coup c'est encore la résistance qui joue, ou le support en fait. En termes
clair, on est sur des échanges un petit peu au-dessus, mais vous savez que c'est des zones, donc on va faire bien attention. On va même descendre sur le 15 minutes pour essayer de voir un petit peu où on en est. Par rapport à tout ça, on pourrait aussi avoir du trading de range ici. Hop, on va enlever le trading de range précédent. On a quand même de nombreux creux testés ici. Et on a quand même un test côté extérieur, réintégration, ici résistance, donc ce creux ici, c'est-à-dire support, donc support, support, quasiment support par là, on va voir juste les niveaux que ça donne. Et du coup, un trading de range sur 15 minutes qui s'établit un petit peu quand même. On va avoir du 1780-50, 1787-50, borne haute, borne basse, pour le trading à l'heure actuelle, aussi en range, sur le gold. Le gold, je vous avoue, je préférais peut-être pouvoir le vendre, mais il va falloir qu'il y ait des arguments convaincants. Sinon, ouais, pourquoi pas un petit peu ce genre de choses. On verra ça. On va juste rajouter point pivot, bien sûr, etc. Point pivot, borne basse, tiens, sans faire exprès de la zone de range actuelle, c'est assez intéressant de voir ça. L'AR1, par contre, relativement plus haut, bien sûr, que cette zone de range. Et la zone support S1, pas loin de cette ancienne zone résistance, qui passe d'ailleurs support, je vous la mets en bleu tout de suite. Juste regarder la montre, il est 51, je vais me dépêcher ici aussi. On va rester sur du 5 minutes, hein, sur le gold. Du côté du pétrole, c'est une cassure, ça y est, hein, la plus que confirmée, bien évidemment, du range des 100$ et des 84$ le baril ici, avec une première clôture par là, deuxième clôture, troisième clôture. On est sur, du coup, 4 séances d'affilée baissières sur le Brent. Attention aussi, hein, au bout d'un moment, on aura de la respiration, bien sûr, et idéalement, du coup, quand on voit ça, on a envie d'avoir un retest de la zone, bien sûr, qui était support et qui passe résistance pour continuation de la tendance. Et s'il n'y a pas de continuation, il y a possibilité de réintégration. C'est toujours un petit peu de ce qui est possible de se faire autour d'une résistance ou d'un support. J'ai quand même enlevé l'oblique ici, on a nettoyé un petit peu tout ça. On en est où ici concrètement sur le Brent? On avait ce petit trading de range qui a fini par être cassé par le bas pour faire le test suivant, 78-50. On remonte plus fort du coup pour casser des sommets 80-50 pour mieux repartir à la baisse. Un marché assez piégeur comme vous le voyez ici à l'heure actuelle. Alors si on élargit un petit peu ça, est-ce qu'on a un trading de range ou pas? On va descendre sur le 15 minutes pour voir si on n'a pas quelque chose de plus petit sur le 15 minutes à travailler à l'heure actuelle. Puisque là sinon on voit que la borne haute était quand même bel et bien ici. On a réintégré par là et là on a quand même des tests qui se font aussi. Alors on avait quand même des tests ici aussi. J'ai plus envie en fait de marquer ce trading de range là comme ça à l'heure actuelle. Et on va juste aller rajouter le niveau suivant qui va être autour de ces creux là. Ça va être du coup les 77,50. Hop, ici, comme ça. Donc là, on va redéfinir un petit peu les niveaux. Borne haute, ça va plutôt être les 95. Ouais, c'est ça. Hop. On a un prix médian hein, qui va travailler ici autour des 25. Je vais vous mettre ça en noir pour le prix médian de zone de range. Et on a vraiment cette zone ici travaillée à l'heure actuelle, hop, vraiment ici en résistance plutôt qu'autre chose. On va juste rajouter les points pivots. En plus, on a de la concordance, donc S1 mensuel cassé, donc ça passe résistance. PP du jour, donc point pivot du jour. Et puis cet obstacle, du coup, qui fait quand même, hein, bien sûr, encore, puisque c'est une zone plutôt résistance qu'autre chose. Donc je vais vous la mettre en rouge, les 78,50. Voilà, donc là on est pour l'instant plus sur du rejet possible de la zone de range côté extérieur. S'il nous faut une réintégration, ce sera quelque chose comme ceci, excusez-moi, je suis fatigué, comme cela bien évidemment, par rapport à ce fameux niveau qui sera déterminant pour aujourd'hui, les 78,50 ici, comme vous l'aurez compris, sur le Brent. Avant de partir sur l'euro-dollar, je reviens rapidement sur le chat à 7 minutes de l'open, déjà 56 likes, ça fait ultra plaisir, merci à tout le monde, tous ceux qui ont pris le temps de liker. J'en étais où sur le chat? Didier qui répondait à Antoine, beaucoup trop, désolé du coup de l'apprendre hein, Didier, mais vraiment regarde si ça vient du coup d'un manque de rigueur ou de la stratégie, c'est important pour la suite. Eric qui nous disait où en est le Bitcoin, on va aller voir ça si tu veux. Jordan qui nous disait aussi bonjour Jérémy à tous. Que nous dit le gold aujourd'hui? Donc voilà, on est passé sur le gold et sur le Brent. Dis-moi si tu as eu le temps de le voir, sinon on refait un point tout à l'heure. Siri qui nous disait, je disais que certaines personnes disaient du coup que la descente d'ADA était engagée. Je pense qu'il y a peu de baisse et après une remontée. À voir, puisqu'on a eu quand même une très très belle hausse. Il fallait bien que ça respire, hein, que ce soit... même si c'est le rallye de fin d'année, celui-ci finit bien par respirer aussi, il n'est pas obligé d'attendre l'année prochaine. Donc on a de la respiration, mais c'est vrai que pour l'instant, tu vois, à court terme ici, je préférais vendre les indices.
Et on va voir un côté du coup côté Forex, ce qui est intéressant, mais pour l'instant je serais plutôt acheteur entre l'euro USD et le GBP USD. Mais de toute façon c'est simple, hein, on ne fait qu'aller déclencher des ordres en attente au-dessus, en dessous, les acheteurs, les vendeurs, et ensuite c'est ce qui crée bien sûr l'order flow, c'est ce qui crée bien sûr le comportement et ce qu'on étudie derrière en fait le price action. Mayama qui nous est bonjour, bonjour, bienvenue à toi Mayama. Françoise également qui nous dit bonjour à tous, pardon Jérémy, et à tout le monde, like à fond, merci beaucoup, ça fait plaisir Françoise, j'espère que tu vas bien. Jacques qui nous dit aussi salut, bienvenue à toi Jacques, et Emmanuel qui nous dit d'accord Jérémy, merci. Moi en tant que débutant, je compte trader même pendant les fêtes pour apprendre. Ça marche, alors du moment que tu fais attention, compte de démonstration, pourquoi pas aussi, il n'y a pas de souci, hein. Bien sûr, tu pourras en apprendre des choses comme ça, c'est clair. Type qui nous disait bonjour Jérémy, comment ajoutes-tu les supports et résistances au graphique, les S1, etc. Ça, alors ici, ce que tu as là, par exemple, regarde, clic droit, indicateur, c'est l'indicateur Admiral Pivot que tu retrouves dans l'édition suprême. Dis-moi si tu sais où c'est, ou si tu veux, je te repartage le lien, mais je vais peut-être le partager, ce sera quand même plus simple ici, même pour tous ceux qui se posent la question. C'est sur le site Admirals ici, plateforme MetaTrader édition suprême, que tu sois sur MT4 ou MT5, tu auras cette édition suprême qui te ramène du coup directement sur la plateforme tous ces indicateurs-là, dont du coup l'indicateur, justement l'indicateur pivot qui est là, voilà, Admiral Pivot, et tous ces experts d'advisor juste ici. Douglas qui nous disait coucou tout le monde, bienvenue à toi Douglas aussi. MB Vegas qui nous dit bonjour à tout le monde, il y avait longtemps. Oui, j'ai l'impression, hein, ça me dit quelque chose ce pseudo. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Antoine qui disait à Didier Dufour, moi aussi hier je me suis entêté. Aïe aïe aïe, désolé aussi pour toi. Antoine Jordan qui nous disait non, j'ai pas eu le temps. Alors rapidement, le gold ici, je te donne juste le contexte journalier pour ma part. On a quand même un trading de range posé sur le point pivot, du coup ici autour de la borne basse des 1781,15 et des 1700. 187,50 du coup borne haute, borne basse ici. Après avoir breaké cette zone de range là, on est monté, mais on évolue encore ici dans cette zone de range ici. Et je t'avoue que si ce matin on pourrait avoir un test borne haute, pourquoi pas? Sinon, faudrait vraiment la cassure pour la poursuite R1 et récupération sur les niveaux clés. Et vraiment, ces sommets atteints récemment sur les 1800 dollars l'once d'or. Donc voilà pour le gold, on était à l'attaque sur le marché Forex avec l'Eurusd. Françoise qui nous dit bonjour Jérémy à tous, bienvenue à toi du coup Françoise. Loïc qui nous dit aussi bonjour à tous, bienvenue à toi Loïc également. Mala qui nous dit bonjour Jérémy, bonjour tout le monde, bonne séance à toi aussi Mala. Et Nabil qui nous dit comment faire apparaître le Minitel du coup sur MT5. Alors mini terminal, je pense que tu voulais dire, il te faut aller justement ici chercher du coup, et pareil télécharger l'édition suprême que j'ai partagée il y a de cela 2 secondes sur le chat. Voilà, le lien est là. Tu vas dans du coup Admiral Mini Terminal. Tu glisses ça sur ton graphique ou tu double-cliques, il te faut la touche Trading Algo d'active, et au final, au début, tu vas l'avoir comme ça en mode vraiment mini terminal. Tu cliques à côté de la roulette bleue à gauche, ça passe en mode maxi terminal. J'aimerais faire la même configuration visuelle avant de faire un dépôt. Pas de soucis, Nabil, je viens de te dire comment faire. Dis-moi si ça fonctionne pour toi. Michel qui nous dit bonjour à tous, 68e pouce like. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On est même à 69. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker. Ça nous permet littéralement d'être live tous les jours de 8h30 à 10h ensemble. Plus il y a de likes, plus il y a d'interactions, plus il y a de partage, plus on pourra faire de choses sur cette chaîne YouTube, comme vous l'aurez compris. Alors, l'euro USD tendance haussière, je regarde la montre puisqu'on va se dépêcher. Ouh, 58, oui. Donc tendance haussière journalière clairement. Le graphique OA lui nous montre l'évolution dans un trading de range. Alors on avait le train de tenter la cassure. Si cassure il y a, on a un niveau sur les 1,0550 juste derrière. Donc voilà, hein, concrètement. Ici, peut-être en capacité de continuer du moment qu'on ne réintègre pas la zone. GBPUSD très rapidement face à l'obstacle clé des 1,2225 aussi, tendance haussière journalière, mais face à une belle résistance. Ça crée aussi juste aux abords de ce niveau-là du trading de range entre le fameux niveau 1,2225 et les 1,2175. Réaction borne basse récente à la recherche de la borne haute idéalement. Voilà, on en est sur ces deux paires forex majeures qu'on va étudier bien sûr ensemble aussi. Alors on va surveiller un petit peu tout ça, mais l'open va se faire et du coup ça va nous permettre d'étudier et de voir ce qui va se passer sur cet open aussi. Alors l'open qui va se faire dans moins d'une minute, on va regarder ça avec attention.
Ça y est, l'open qui est en train de se faire. Alors, j'ai BPUSD dans son range. Peut-être regarder plutôt l'euro dollar ce matin et me concentrer aussi sur le FTSE 100, voir si sur le FTSE 100 il y a des choses à faire sympathiques. Je reviens sur le chat hein, dès que possible. Le FTSE 100, du coup, faudrait voir un maintien relatif autour de cette zone-là. On a déjà de la baisse sur le DAX. Alors, oups, le DAX, il est là. Le gold, on va le laisser en 5 minutes. L'euro USD qui descend pour l'instant, c'est bien, il faut que ça descende encore un petit peu. Alors, ce que me présente l'euro dollar, peut-être pour la réintégration de la zone de range. Ah, c'est quand même bien baissier. Alors, attendez, je confonds, excusez-moi, FTSE 100, voilà, je l'ai glissé en bas l'euro dollar. Ouais, l'euro dollar pour du rebond, ça peut être pas mal. Qui veut bien descendre pour l'instant, plus il descendra, plus on s'éloignera de la borne basse ici, la zone de range, puisqu'elle sera de plus en plus cassée. Pour avoir des achats intéressants pour ma part autour de la borne basse 14 250. Pour l'instant on a eu de la baisse réaction à l'open, mais c'est arrivé même 10 minutes un petit peu avant. Alors le gold il est en plein milieu de sa zone de range, il aurait pu aller un petit peu plus haut sur la borne haute, ça aurait été mieux. On va voir si le gold c'est pas. Il a démarré aussi un petit peu trop tôt cette baisse pour l'instant. Un petit peu tard peut-être. Non, allez. On va voir ici. Bon, un petit rebond sur l'euro dollar. Un tout petit stop de 6 pips. Serait-ce que pour les 1, pour 5 pips à la hausse, sur les 1,0525 déjà. Je reviens sur le chat dès que possible, je regarde un petit peu ce qui se passe. On a envie de retester déjà le prix médian peut-être sur le DAX.
On a du rebond en train de se faire déjà sur le DAX, mais je vais pas être dedans. Peut-être un pips en cours sur l'euro dollar, on va voir. Un peu plus de rebond que ça. Direction, je vous le disais, des 1,0525, pourquoi pas. Alors le gold, il se tient pour l'instant, ce gold. Le DAX qui rebondit déjà. J'aurais aimé qu'il redescende un tout petit peu plus que ça, le DAX quand même. FTSE 100 qui descend aussi. Non, on va regarder FTSE 100, c'en est où? On a cette zone ici testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois quand même, qui pourrait susciter un petit rebond. Et on est normalement quand même sur l'envie de sortir de la zone de range. Ça descend bien sur le FTSE pour l'instant, ça va redescendre peut-être un petit peu sur le DAX. J'ai regardé le GBP un petit peu aussi. Ouais, il est en plein milieu de sa zone de range le GBP. On l'avait pas marqué, j'ai l'impression. On va marquer une zone. C'est à 1,22, j'ai l'impression. Prix médian de la zone de range en cours. Euro dollar en cours, mais on va aller chatouiller le stop pour l'instant. Le rebond n'a pas voulu se faire sur une résistance qui est passée support. Pour le moment, on n'est pas loin du stop. Ouais, ça est sorti sur l'euro dollar. Ça n'a pas voulu tenir ici. Alors, ce qui se passe autour de ces creux, ça va être important. Le DAX qui pourrait descendre un petit peu plus bas avant de rebondir, mais on a vraiment un FTSE 100 qui se lâche à la baisse. Hein. Une baisse initiée, c'est dommage, un petit peu avant l'open. Ça s'est relancé sur l'open avec cette bougie-là. Et le point le plus haut était ici en cassure de ce petit sommet. Le gold qui travaille toujours les 1785, ça bouge pas. J'ai surveillé quand même l'euro dollar pour un rebond possible encore. C'est vrai que c'était un petit stop quand même, mais. Ça commence à rebondir un petit peu. Bon, un stand-by en tout cas sur le FTSE, sur le DAX. Le gold il range même hein, ici en M1. Là c'est le M5, mais en M1 vous avez un range encore plus détaillé.
Petite tentative encore de rebond. La dernière sur l'euro dollar. Zone hein, vraiment résistance qui passe support. C'est du trading de retracement. Première opportunité ne peut n'est parfois pas la bonne. On va voir ici si ça si la deuxième est la bonne. On stoppe dans les 8. Donc il faudrait du 4 pips au moins pour les sécuriser. De toute façon, on a quoi sur les. Sur le dernier sommet, on est à 6 pips à peu près. 7 pips, on va voir si ça peut remonter un petit peu. Sur le DAX, il y a du rebond un peu possible ici, mais ce serait vraiment une prise de risque moindre puisque pas borne basse, on est juste sur les creux ici précédents. On a le gold qui essaie de se maintenir un petit peu. On ira voir le CAC 40 aussi dans quelques minutes. CAC 40 qui range quand même pas mal aussi. Petit achat qui s'est fait. Je suis pas rentré au prix que je voulais. 78. Ouais, si bon, pour un point, c'est pas. Ouais, c'est dommage, le stop du coup aurait été un petit peu en dessous. J'ai pris un peu moins de risque, donc je peux quand même le décaler. Parce que ça ferait que 28 euros au lieu de 25. 1,9 pips en cours sur l'euro dollar. C'est vraiment deux fois moins de risque ici, puisque vous voyez qu'on est. Du coup, en direction du prix médian, on n'est pas sur la borne basse, un petit peu dans un entre-deux. Donc je vais quand même faire attention ici sur ce setup. L'idée là, en plus, ce serait d'être sous les 60 ici. Voilà. Donc ça fait du 18 points à peu près, 17, ouais, 18, 19 points pardon, quasiment. Test du dernier sommet ferait les 20 points. Il faudrait déjà que je sécure un petit peu avant. De toute façon, on a le point pivot, on a les 14 287 avant. On est sur du 1,5 pour le rebond de l'euro dollar. Petit qui chute toujours. Le gold qui va commencer peut-être sa. Excusez-moi, sa descente. Je préférais être à la baisse sur le gold, mais. Il n'y a pas eu d'opportunité pour ma part pour l'instant. Les opportunités étaient en fait avant l'open. Rien à faire pour l'instant. Allez, l'euro dollar dans les 2 pips et quelques. On va voir si ça peut pousser. Là, le stop est un peu plus grand, donc je vais attendre quand même 3-4 pips pour sécuriser. Côté pétrole, qu'est-ce qui se passe? On est toujours sur le rejet de la zone pour l'instant, résistance 78,50. Je vais revenir sur le chat ici, je vais voir aussi sur Zoom, pas de questions, ok. Merci beaucoup pour le cours, nous disait du coup Fulgence Marx. Je t'en prie avec plaisir. À Samy qui disait bonjour, un pur plaisir chaque matin, je peux avoir ton avis sur le GBP, pas de souci. Alors le GBP up. Le gold qui commence à partir, ça y est à la baisse. Le GBP en plein milieu de son range, en plein milieu de son range avec les 1,22. Les 1,22 ici, ça va hésiter beaucoup. Oh, je vais juste regarder ça. Hop. Ça hésite beaucoup, mais on pourrait repartir. Hein. Et puis, bon, on n'a pas fait un toucher propre hein, des 1,21,75. Je te remets juste le graphique horaire pour le contexte journalier, mais tu vois, on n'a pas fait un dernier toucher ici très propre. L'idéal, c'est qu'on fait un toucher propre ici par le bas, c'est qu'on aille sur le haut. Là, on a été depuis le haut, direction le bas, mais on s'est arrêté un petit peu avant. Déjà, retour prix médian. Donc, soit c'est un retour pour vraiment toucher la borne basse, soit on va déjà rechercher la borne haute. Hein. Donc, ça, c'est vraiment le niveau de prix médian qui est le plus dangereux. C'est pour ça que j'ai pris deux fois moins de risques hein, vraiment sur le ici sur le DAX, d'ailleurs.
On va attendre de voir combien de points on peut faire pour sécuriser un petit peu ça. Au plus haut, on a fait 6 pour l'instant, mais c'était 6 bruts. Alors on va voir si on peut rechercher un peu plus haut le point pivot. Je vais pas tarder hein, sur ce trade-là puisqu'il est relativement risqué. Toujours en attente de rebond hein, sur l'euro-dollar pour l'instant. Je pense que je vais peut-être même vous mettre ici plutôt l'euro dollar en haut et le GBP/USD en bas. On va aller voir les autres paires Forex aussi, bien sûr. Donc là, hop, je vais mettre l'euro dollar, le GBP en bas. Voilà. Pas mieux de son range pour l'instant, rien d'intéressant. Dans les 6 pips, ça commençait à être tentant, mais du coup, faut que je fasse attention quand même au ratio. Un petit peu de rebond ici, ça serait bien. Dans les 8 points sur le DAX, ça m'irait 7-8 points. Et puis là, du coup, c'est du 8, donc 4 pips hein, sur l'euro dollar, pourquoi pas. Le gold qui part à la baisse, on va voir si du coup il y a des petits retracements, mais du coup, ouais, pour l'instant, il part bien à la baisse. Allez, une dernière poussée ici sur l'euro dollar, ça serait bien. Sur le DAX aussi, histoire d'aller sécuriser déjà. Voilà, encore 2 minutes 38 pour voir la formation de ces bougies 5 minutes ici sur l'euro dollar et le DAX. On va faire le petit point si vous voulez sur l'USDCAD déjà. Alors l'USDCAD, je vais vous le mettre ici. L'USDCAD qui était reparti au-dessus des 1,35. On est en direction de la R1 et d'un sommet juste avant. Alors je vais quand même vous agrandir tout ça, je vais surveiller de l'autre côté. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça se retourne un peu sur le DAX. Ça hésite beaucoup. Donc là, en fait, on est en réaction récemment face à l'oblique hein, du coup du canal haussier. Bien sûr, hop, ce canal haussier, il était là comme ça. On avait un peu cassé par le bas, un peu cassé par le haut. Là, on a bien cassé par le haut. Tentative de réintégration et du coup, on est ressorti maintien. Ici, maintien là, et justement le dernier maintien c'était vraiment les 1,3650. Pour autant, on est limité, vous le voyez, avec les derniers sommets. Hein, donc attention. Je vais juste regarder. Il faut que ça remonte encore un petit peu ici sur l'euro dollar. Le stop de 8, il nous faudrait au moins du 4-5 pips. Le DAX qui a du mal. Peut-être été gourmand avec du. De toute façon, je les ai pas vus arriver. On était sur un autre graphique, les 6 points. Donc l'USDCAD, je vous disais, voilà, en maintien ici, mais pour autant, voilà, on a des obstacles ici, clairement entre ces deux sommets, un obstacle résistance aux abords même des 1,37, on part des 1,3690 à peu près. Donc attention sur un prochain retour, puisqu'on pourrait avoir un petit peu de rejet aussi avant une cassure si la tendance haussière veut se maintenir, parce que sinon ça pourrait commencer à marquer aussi, bien sûr, un trading de range. Je sais que j'en parle beaucoup, mais la plupart du temps, les marchés, il faut le savoir, sont en range et pas en tendance. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir reconnaître ce contexte de trading de range plutôt qu'autre chose. Et je vais vous mettre justement un petit peu ça sous forme de range aussi ici. Ouais, ça hésite en ce moment même. Du coup, sur le DAX et l'euro dollar, on va mettre les 90 ici. Donc trading de range en cours, hein, vraiment. Aussi avec la petite sécurité des 1,37 juste au-dessus, mais que je peux enlever. Alors on va pouvoir enlever ce canal hein, quand même, puisque du coup il est assez grand et un petit peu dépassé quand même. Donc voilà vraiment ce trading de range pour ceux qui sont intéressés sur l'USDCAD. Attention, borne basse des 1,3630 pour la borne haute des 1,3690. Du côté de l'USDJPY, on est sur du biais baissier, mais on a une zone support ici que je vous avais marqué aussi. Ça a suscité un petit peu de réaction avec la zone support S1, notamment mensuelle. On avait cette zone de range cassée qui a été retestée justement hier côté extérieur pour de la résistance. Et ça nous a permis de revenir sur une autre zone de range, en fait, hein, limitée par les 137,25 par le haut et par le bas les 136,25. Donc trading de range où on a eu un très joli double test par le bas. Dernier test borne haute, on est de retour sur le prix médian. Donc vous voyez des marchés qui vont un petit peu nulle part ici à l'heure actuelle. Côté Bitcoin, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure. Hier, on était sur une tentative de réintégration. On a quelques clôtures H4 en réintégration. C'est pas non plus une réintégration phénoménale. Donc attention ici, soit pour un retest côté extérieur cette fois-ci, bah, du coup, de ce niveau des 16 900 qui repartirait plus en résistance qu'autre chose jusqu'à preuve du contraire. Donc un petit peu comme ceci. Ou attention à la sortie comme ça, parce que quelque part, on est aussi dans du trading de range. On va voir si
sur la petite unité de temps plus petite en tout cas, on n'a pas ce genre de choses. Un petit peu comme on avait hein, de toute façon sur le. Ouais, on a quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez ici un petit peu cette borne basse de zone de range qui va faire résistance. Si réintégrée, bien sûr, eh bien, passerait support pour un retest impossible d'une borne haute ici. Mais sinon, bien sûr, attendu plus comme ça. Et là, même sur les petites unités de temps, ça consolide sur le Bitcoin. Donc attention, vous allez voir que l'Ethereum, on avait ce trading de range autour de cette borne haute. Alors malheureusement sorti, hein, je suis en train de voir sur le DAX. Je vais vous montrer ça, mais du coup, voilà, autour de cette borne haute de zone de range, on rangeait. Et là, on a du coup bah, vraiment beaucoup plus sur l'Ethereum que sur le Bitcoin, marqué la réintégration souhaitée du trading de range entre les 1275 et les 1100. On ira voir d'autres actifs, dites-moi s'il y en a d'autres que vous voulez voir ce matin. Le rebond qui a vraiment du mal sur l'euro dollar. Et là, on revient sur la borne basse. Donc, je vais peut-être pouvoir prendre un risque plus intéressant, on va dire, puisque j'ai pris deux fois moins de risques ici, puisqu'on n'était pas sur la borne basse. On va voir maintenant rebond possible sur cette borne basse ou pas. Donc, j'ai pas dit mon dernier mot sur le DAX, on va voir comment ça se passe. L'euro dollar, par contre, s'il a du mal à rebondir là. Ce sera ma dernière tentative de rebond. Et on va voir ici le GBPUSD qui est en train de vouloir tenter la cassure. Mais le GBPUSD, pareil, hein, j'aurais préféré de la hausse ce matin. Donc pour l'instant, rien d'intéressant. Sinon, c'est pareil, hein, le GBPUSD, c'est attendre le retour sur la borne basse. Donc c'est là où il faut parfois être patient. Parfois être patient. Ah, j'ai pas vu, on avait touché les 47. Dommage. Dommage pour le rebond ici. On avait déjà 10 points de rebond, ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, on peut pas être partout ici, hein, quand je vous montre plusieurs actifs comme ça, mais... Petit rebond déjà sur le DAX dans une zone autour des 48, juste en dessous de la zone, en fait. C'est là où vous aviez ce petit sommet, ce petit creux. J'ai pas été assez rapide ici, puisqu'on aurait déjà eu dans les 10 points de rebond. Ça sent mauvais sur l'euro dollar aussi. On a un gold qui est parti à la baisse, mais je vous le disais, l'initiation de cette baisse est faite avant un petit peu. Les meilleurs prix étaient là en fait, avant l'open. Sinon, il fallait jouer le break par exemple ici. Je suis moins fan du trading de break que du trading de retracement, comme vous pouvez vous en douter à travers les exemples que je vous fais très souvent. C'est dommage pour du coup le DAX. Il y avait déjà du rebond. On serait déjà même à 15 points pour un stop qui aurait été dans les 7-8 points. C'est le moment ou jamais hein, de réagir sur l'euro dollar. C'est vrai qu'on peut, on peut retracer plus profondément, mais après ça me gêne par rapport à cette borne haute aussi des 1,0520. Ouais, vous voyez la réaction ici. Avec cette mèche ici là. Dommage pour le rebond sur le DAX. C'était le setup le plus... Donc c'est là où vous voyez qu'il faut relativement être quand même patient, bien sûr, hein, clairement en trading. La patience est très important. C'est vrai que des fois dans ces séances, je vais vous montrer plein de choses. Donc je suis un... Je saute un petit peu plus dedans, quitte à réduire le risque. Mais la patience est toujours importante, bien sûr. Il y avait la zone de ce creux-là, en fait, qui était possible. Donc c'est pour ça que j'ai pris moins de risques, parce que c'était pas la borne basse. Et il y avait cette borne basse très intéressante pour du rebond. Et bah, ça se fera déjà sans moi. Tant pis ici. Mais borne basse, donc, des 14 250, qui marque la réaction sur le DAX à l'heure actuelle. Si on va regarder un petit peu le FTSE 600. Tac. Ici qui vient taper une zone support 7462,50 pour l'instant, petite réaction mais pas énorme non plus. Le FTSE 100, hop. Rafik qui nous dit bonjour, bienvenue à toi Rafik. Manuel qui nous dit aussi bonjour à tous, bienvenue à toi Manuel. Virginie qui nous dit bonjour à tous, as-tu une idée de la chute sur le GBPCHF déjà avant Open? Attends, GBPCHF on l'a pas d'ouvert, on va aller l'ouvrir.
Je vais le remplacer. J'avais sûrement une perforex voilà, quelque part. Je peux remplacer GBP CHF. Tu... Alors déjà en journalier, hop, ici on en est où sur ce sur cet actif? Ah, on a une très belle zone ici. Ça va donner quoi comme niveau? Ça va nous donner les 1,15-30. Les 1,15-30, ici un très très belle zone support, résistance, résistance, résistance. Ça c'est d'un point de vue bien sûr beaucoup plus large déjà. En graphique horaire, on voit donc les deux derniers tests dans le détail qui ont été faits. Ça range aussi pas mal ici. Au final, on a ce genre de trading de range ici en place. Recherche de la borne basse hein, pour l'instant depuis le rejet prix médian en fait. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un point pivot? Borne basse, attention, rebond possible ou cassure pour test zone support S1 et poursuite. Mais c'est le prix médian en fait qui a rejeté ce matin ici le cours à l'heure actuelle. Voilà ce que je vois sur le GBP/CHF rapidement ici. Alors USD qui veut pas aussi. Donc deux trades perdants pour l'instant. Pour démarrer. C'est dommage pour le rebond parce que là en plus sur ce genre de niveau extrême vous avez des stops qui sont beaucoup plus protégés. Mon stop aurait été par exemple sur les 240. Avec un point d'entrée autour des 46-47, donc 46-47, hop. Pour les 40, ça aurait fait du 6 points. Et pour l'instant, on est monté jusqu'à 16, donc c'est là où ces prix extrêmes sont avantageux à attraper et beaucoup plus safe aussi que de trader dans la zone ici. Là, par contre, bah, c'était un rebond qui pouvait faire du coup la sortie hein, et le maintien de la cassure, donc là, il n'y a rien à redire. Un trading de retracement qui ne fonctionne pas pour l'instant sur l'euro dollar. Le DAX donc qui continue de réagir. Tant pis pour ce dernier trade, mais il aurait été beau. Il aurait été beau. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? On n'a pas vu du coup l'euro CHF. L'euro CHF, d'un point de vue daily, je vous rappelle, il est du coup plutôt en tendance baissière. Alors on a quand même réagi sur ces creux-là. On a des sommets, on pourrait voir un gros gros range. Justement, où le prix médian des 144 se trouverait. On pourrait voir un gros gros range comme ça. Entre les 141,25 et on va voir pour les 147,25, ouais, c'est plutôt bien parce que vous voyez des sommets hein, vraiment se cumuler ici, vous voyez des creux se maintenir par là. Ici, on prolonge aussi, hein, on a quelque chose côté extérieur. Donc, en fait, ce prix médian quelque part des 144 est vraiment important. On est sur le retest de la zone. En plus, on crée du coup un range sur le graphique horaire, pardon, dont la borne haute c'est ce niveau clé et la borne basse c'est 143,15. On est en train de tester la résistance en même temps suite à un rebond ici. C'est vrai que dans le principe de ce range-là, on aimerait pouvoir repartir par le haut. Qu'est-ce que ça donne en termes de point pivot? On est coincé entre le point pivot justement et la borne haute, la R1, en cas de cassure. Sur le 15 minutes, on va avoir un test, deux tests et le troisième test à l'heure actuelle, l'obstacle et résistance. L'euro GBP, on l'a vu tout à l'heure hein, dans son trading de range. Je crois que j'en ai parlé de l'euro. Non, c'était hier, excusez-moi. On va le mettre à jour ici. Hop. Toujours borne haute autour des 86,35, borne basse autour des 85,90, point pivot du jour, ici, prix médian de la zone. Voilà, il y a d'autres actifs ici si vous voulez voir, n'hésitez pas à me dire s'il y a des actifs favoris hop, que vous souhaitez voir ce matin. Voilà, super réaction sur le DAX pour cette borne basse. Donc leçon à retenir ici, bien sûr, être patient, attendre la zone optimum, c'est toujours mieux. Hop, ici. Moi j'étais prêt à prendre un peu moins de risques là pour vous faire un petit exemple et sécuriser rapidement ici. J'étais un petit peu gourmand, mais pour le coup ça s'est passé vite sur la zone. J'ai pas eu le temps d'aller placer l'ordre et on était sur d'autres graphiques à ce moment-là. L'euro dollar qui est toujours en hésitation. Ah, je vais revenir sur le chat ici, ça me laisse un petit peu de temps tout ça. Manuel qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Manuel.
Oui, je l'avais lu, pardon, Boubou qui nous disait, c'est normal que load NZD, on se retrouve avec 12 pips de spread. Alors on va aller voir ça, load NZD. C'est une paire assez exotique, hein. De toute façon, plus la paire est exotique, plus du coup le spread est élevé. Mais chez moi, j'ai pas les 12 de spread hein, que tu dis, du coup. Alors si c'était courant de la nuit, ça peut s'expliquer. Là, on est à 4 de spread, tu vois, 4, 3. 4,5 sur l'Aude NZD chez Admirals. Donc je sais pas si t'es chez Admirals ici, hein, Boubou. Mais si t'es chez Admirals sur un compte trade MT5, t'es censé avoir entre du 3,8 et du 4,5 au maximum ici apparemment sur l'Aude NZD. Si t'as regardé ça courant la nuit, c'est normal, les spreads courant la nuit augmentent. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs bien attention. Super. Alors ici, typiquement, l'idée c'était de prendre un point extrême. Hein. Je vous disais autour des 47, du coup d'aller sécuriser sur de la structure. Donc là par exemple on avait un premier objectif tout à fait possible sur du 12 points. Bien sûr prix médian ensuite, et idéalement la target finale hein, bien sûr. Enfin on peut reprendre un peu sur le dernier sommet et puis target finale sur un borne de zone de range. Dommage que j'ai pas pu vous montrer cet exemple ici. Donc achat normalement disait Rafi qui a un support sur les 84 sur le gold. Alors c'est pas parce que tu vois une zone support qu'il faut acheter Rafik, c'est plus complexe que ça. Il faut voir si ta zone support est dans un contexte favorable. Donc quand on parle de support, idéalement il faut que tu sois dans une tendance haussière. Ça dépend quelle référence en termes de graphique temps tu utilises pour justement te dire voilà, je suis en tendance haussière par rapport à ce support-là, etc. Et ensuite, sur ce support, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu places un ordre en attente bête et méchant et là ça peut être un peu plus risqué? On peut faire ce genre de choses, hein. Placer des ordres en attente, mais ça dépend comment on le fait. Si on comprend bien qu'il y a eu des échanges ici, là par exemple, pour moi il y avait vraiment eu des échanges dans le passé intéressants, ça me permettait de mettre un ordre en attente ici. Mais il fallait voir déjà si le marché traversait ou pas, et ça n'a pas été le cas, on a eu une toute petite réaction. Mais si par exemple dès que tu vois un support, tu places un ordre en attente, là il faut vraiment voir comment tu fais les choses, comment tu penses les choses, ton stop, ta gestion du risque, etc. Parce que c'est plus risqué. Tu vois ce que je veux dire, Rafik, du coup? Bobo qui nous disait, sauf si break sévère, faire attention, viser 30 pips, nous disait Rafik, bien sûr. Bonjour à tous. Alors salut du coup Bébert. Gameboy qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi. Bébert qui nous dit bonjour Jérémy, j'espère que tu vas bien Bébert. Sur le DAX, tu es en tendance baissière, merci. Alors au début, si tu veux, j'étais plus sur de la baisse possible. Mais depuis du coup 8h45, ça a changé un peu la donne et du coup j'étais plutôt sur de l'achat. Un achat agressif ici, j'étais gourmand à un point, j'aurais pu sortir et sécuriser, donc j'aurais eu zéro ici. Et puis la borne basse qui était la meilleure chose, mais... Du coup, j'étais pas dessus quand ça s'est fait, dommage. Vous voyez bien hein, ici, il faut être vraiment au taquet aussi sur les actifs favoris. Moi, vous savez que par exemple, en septembre, quand je tradais aussi sur mon compte réel en parallèle, désormais on est sur la migration, mais ça reviendra bien sûr en janvier. Hein, je repartirai sur mon compte réel en parallèle dans ces séances. Je pourrais vous montrer certaines choses, mais bien sûr, pas les trades ouverts, etc. Mais je pourrais vous montrer certaines choses, mais. Clairement, gros focus bien sûr sur à ce moment-là le DAX, bien plus que sur le reste pour ces séances, puisqu'on ne peut pas être partout. Alors quand on est sur du trading semi-automatique, c'est beaucoup plus simple. On active l'assistant, on connaît du coup ce qui. Enfin, l'assistant sait ce qu'il doit faire à l'avance, il n'attend plus qu'à avoir les bonnes conditions qui se présentent à lui. Donc là, on peut intervenir plus simplement sur plusieurs actifs, mais c'est vrai que sinon il faut pouvoir être focus comme il faut, surtout quand on intervient en manuel en fait. Un BVGAS qui nous dit, tu auras le temps, j'ai du mal à comprendre la différence entre compte 0 et compte trade. Compte trade, en fait, tu ne payes que le spread pour ton trading intraday et day trading. Hein. Si tu gardes des positions overnight, tu as du swap. Mais ici sur le compte trade, l'idée c'est de te dire que tu vas travailler avec le spread. Le compte 0, en fait, tu vas travailler avec un spread quasiment à 0, mais ça sera plutôt le principe d'une commission entrée-sortie, un petit peu comme ce qu'on a sur les marchés futurs. Donc, c'est deux styles différents. Après, sur le compte 0, ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas trader avec des tailles importantes, et plus tu seras sujet à obtenir des rabais, en fait, au niveau de ces commissions auprès d'Admirals. Mais du coup, ça dépend ce que tu veux faire de ton trading. Si tu veux plutôt te dire, voilà, j'ai une commission entrée-sortie, mais je m'embête pas trop avec le spread pendant mon trade, ou je ne tiens compte que du spread pour savoir que je paye ma commission auprès du broker sur le compte trade MT5. Pardon. MB Vegas qui nous dit, du coup, pour un petit compte inférieur à 1000 euros, pour un débutant, lequel choisir?
Alors, la taille du capital va pas vraiment impacter du coup le choix vraiment, je trouve, entre le compte zéro et le compte trade. Ce sera surtout la différence que je te disais tout à l'heure. Pour Cycotter qui est un BVGAS, le compte zéro, tu payes une commission entrée-sortie, voilà, le normal, tu payes un spread. Exactement, Adam qui nous disait, pardon, on peut aussi voir le GBP. Oui, pas de souci, GBP, JPY. Attends, je le cale sur un autre graphique, voilà, hop, sur celui-là. Est-ce que je l'avais d'ouvert? Non, c'était le GBP, hop, GBP, JPY. On va le regarder. Hop, voilà. Déjà en daily. Alors dommage hein, pour la réaction sur le DAX sur la borne basse. On a un euro dollar qui peine toujours à remonter pour l'instant. On a un GBPUSD qui hésite à rebondir. Alors je crois pas qu'on soit sur la borne basse encore, non. Donc stand-by. GBPJPY, on va regarder ça. Alors déjà, d'un point de vue journalier, on avait un beau niveau ici. On va voir quoi comme niveau. Quelque chose comme ça. Des 168,25 et bon on avait quand même une belle borne basse aussi ici donc en fait on est quand même dans un gros range hein, 159,75 donc dans un gros range réintégré récemment ici par la borne haute je peux le mettre en gris ici pour que ce soit vraiment bien visuel en daily hein, vraiment on a réintégré récemment et ça fait obstacle pour autant de l'autre côté on reste buté aussi sur le prix médian de la zone de range on a du mal à aller chercher jusqu'à la borne basse donc ce prix médian est toujours important et pour l'instant ça marque un petit peu de consolidation en fait entre la borne haute vraiment et ce prix médian donc borne supérieure enfin zone je devrais dire supérieure de cette zone de range dans laquelle on évolue donc sachant ça quand on descend aussi sur le graphique ici horaire sans grande surprise hein, range encore et encore, on voit ici hein, cette zone de range, borne haute avec des sommets respectés, borne basse avec des creux, prix médian travaillant ici le cours à l'heure actuelle, plutôt en support qu'autre chose, mais le dernier test c'est vrai c'était la borne haute, j'aurais aimé un test borne basse pour y revenir. Voilà pour moi le contexte sur le GBP JPY. Donc voilà, pas de rebond pour l'instant vraiment sur l'euro dollar, c'est dommage, très très beau rebond, il y aurait eu déjà des beaux ratios d'atteint ici. Dans les 40 points pour le test du point pivot, voir si maintenant on arrive à passer et à franchir le niveau pour continuer la hausse. Pour l'instant, pour autant, il n'y a pas de relance possible pour ma part, donc je reste tranquille. Dommage pour ce rebond ici, il faudrait descendre plus bas sinon sur l'euro USD, mais on serait face au 1,0520 par la suite. Ça hésite quand même avec le point pivot et le prix médian des 14287. Le gold qui continue sa baisse ici. Un breakout qui aurait pu permettre la baisse. Je vois pas. Pas vraiment vraiment autre chose à part ça. Aïssa qui nous disait salut Jérémy, bonjour à tous, bienvenue à toi. Antoine qui nous disait du coup je suis rentré à 57. Ah sur le DAX du coup 57. Ah sympa. Sympa parce que tu as pu aller jusqu'à du 34 points, quasiment 37 points maximum top. Top Antoine. Oui, j'avais 5 positions vendeuses depuis hier. Ah, pardon, ça c'est Aurélien. Salut à toi Aurélien, tu disais oui, j'avais 5 positions vendeuses depuis hier soir sur le GBP. 3 break-even, 2 toujours en cours, mais la commission est chère si je prends un BE dans la nuit. Non, merci, bonjour Jérémy. Alors attention au break-even juste en courant de la nuit parce que tu as un spread qui augmente donc ça pourrait jouer sur ton break-even. Alors surtout sur tes positions vendeuses parce qu'en fin de compte, si tu sors sur l'ASK. C'est-à-dire que le spread pourrait te sortir même si le cours n'y va pas. Si tu as un écart de spread trop grand, c'est l'ask qui va te sortir de ton BE. Donc il faut faire attention par rapport au trade que tu tiens courant la nuit, sachant que le spread augmente pendant la nuit. Klaba qui nous disait bonjour, j'ai du mal à comprendre le gold ce matin. Bienvenue à toi Klaba. Alors, ce qui se passe sur le gold ce matin, c'est qu'il travaille un petit peu son prix médian. Alors, on va juste dézoomer. Ouais, dans son prix médian, il était peut-être même un tout petit peu plus bas. On va regarder ça comme ça. Dans les 84,50, je dirais. Voilà, donc il a breaké en fait, hein. Il a trouvé un support, il n'a pas su faire
Alors, c'est vrai qu'on aurait pu ajuster, c'est là où on peut toujours travailler un petit peu, et c'est là où vous voyez que c'est plutôt du discrétionnaire quand on fait ce genre de choses-là ici, mais on aurait pu dire, voilà, là c'était le toucher de la borne haute, idéalement on va chercher le test de la borne basse. Mais vous aviez aussi des arguments pour dire que la vraie borne haute, c'était cette zone ici, et qu'elle n'a pas été touchée, et qu'on aurait pu attendre justement le retournement. Donc c'est là que vous voyez que les marchés ne sont pas parfaits, si tu veux, là c'est juste du trading de range, hein, sinon sur le gold à court terme, si tu veux parler du gold à plus long terme, en fin de compte, si tu veux, c'est qu'on a évolué depuis un rebond 1725 jusqu'à un toucher 1800, et depuis en fin de compte, on a réagi. On est revenu se poser là, ranger, cassure, on range ici. Donc, maintenant, après, on va avoir peut-être des acheteurs très certainement qui voudront jouer le retour et plutôt le rebond point pivot pour tenter des sommets à tester et idéalement revenir même plus haut. Après, c'est le trading de range de toute façon. Donc, borne haute, rejet, borne basse, rebond jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire des breaks un petit peu comme ça. Ouais, j'espère que ça a éclairci un petit peu pour toi les scénarios ici. J'aurais aimé la vente, mais c'est vrai qu'on n'était pas vraiment sur la borne haute. Et ce qui m'intéressait, c'est passer un petit peu avant l'open en fait. Qu'en soi, si vous voulez, quand vous êtes un trader de breakout, vous rentrez pas vraiment au début du mouvement non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère du coup rentrer au début du mouvement et ensuite relancer sur des prix bas ou des prix hauts selon la tendance. Le breakout, pourquoi pas, mais ce serait vraiment la dernière partie du coup que je mettrais. À jour aussi dans l'intégration sur MT5 en fait. On est 145 ce matin, j'espère que tout le monde va bien, 91 likes. On n'est pas loin de la centaine, je pense qu'on peut faire les 125 ce matin. Alors clairement des exemples pas ultra intéressants, hein, deux stops sur l'euro-dollar, un sur du coup le DAX, et en plus j'ai pas eu l'opportunité ici, j'étais pas dessus pour jouer le rebond, c'est dommage. Mais j'espère quand même que ce contenu, bien sûr, vous apporte toujours de la valeur. Type qui nous disait, il y a un beau range sur le CAC 40. Alors le CAC 40, c'est vrai que j'ai pas été le voir parce que ouais, il était. Il est toujours du coup dans son range. Alors, il est dans un range beaucoup plus grand, mais du coup, on a un range aussi ici hein, qui est établi sur le 5 minutes. Par exemple, entre les 6682, 50, on va dire, et les 6657, à peu près 90. Ça range beaucoup, hein, ça range beaucoup en ce moment. Vous voyez même le DAX, il a cassé des creux ici. Il a été chercher de la liquidité, c'est pour ça que j'étais intéressé pour du rebond ici aussi. Alors que là, on avait juste cassé un creux mineur, mais pour autant, on se retrouve bloqué sur le prix médian. On se retrouve bloqué ici, ça respire un petit peu. Il faudra réussir à casser si on veut vraiment avoir un super scénario. Et sinon, un retour borne basse à ce moment-là, les partiels qui nous aident, le stop sueur qui nous aide à prendre une partie quand même intéressante, puisque le stop était petit et le prix médian était déjà une belle target en fait. Arona qui dit du coup beau rebond pris ce matin sur le FTSE après la baisse avant l'open. Du coup. Ah, avant l'open, ça marche. Bonne journée à tous et à demain. Bravo Arona, félicitations. Aïssa qui nous disait on est limité avec un compte à 10K. Tu en penses quoi s'il te plaît? On est assez limité avec un compte à 10K. Qu'est-ce que tu entends par limitation du coup que tu peux avoir sur un compte à 10K? Avec 10 000 euros, t'es pas limité. Hein. Tu peux faire pas mal de choses déjà. Alors l'euro dollar qui est revenu sur la zone des 1,0512, qui réagit déjà, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Il y avait déjà 5 pips de rebond. Ouais, c'était là. Ouais, il y aurait déjà 7 pips de l'autre côté avec un stop dans les 4. Ouais. Alors je vais juste aller voir le FTSE 100 tech. FTSE 100 qui a trouvé du rebond sur les 7467. J'avoue que je m'en suis plus occupé du FTSE 100. Il y a un petit peu de baisse à prendre dans ce retracement. Glenn qui nous dit bonjour, vous ne faites pas d'analyse fondamentale. Non, quasiment pas, Glenn. Dans ces séances, si tu veux, c'est vraiment basé sur l'analyse technique, ce qui a pour moi le plus de valeur à vous transmettre ici dans ces séances, puisque personnellement, dans mon apprentissage et dans mon parcours, c'est ce qui m'a apporté le plus de valeur et le plus d'avantages. Statistiques et des probabilités à trader les marchés. Côté fondamental, si tu veux, t'as pas ce jeu de probabilité de succès que tu peux mesurer, travailler et du coup identifier même sur le long terme.
Donc ici, je rappelle de temps en temps, oui, le contexte général, quand il y a vraiment des choses intéressantes. Là, on est dans des contextes, de toute façon, où on est en attente des décisions de certaines banques centrales. On a peur aussi quand même d'une récession. On a JP Morgan, par exemple, et d'autres banques aux US qui ont mentionné qu'on aura très certainement, du coup, une contraction de l'économie côté américain pour l'année prochaine. Donc voilà, on a ce genre de contexte-là. Mais ce qui a le plus de valeur pour moi, si vous voulez, à vous transmettre, c'est vraiment, du coup, comment vous pouvez traiter l'information en temps réel. Parce que l'information fondamentale en fait est traduite sur les graphiques, et c'est pas parce qu'elle est traduite sur les graphiques que du coup on va être en retard par rapport à ce qui se passe. Parce que l'information fondamentale en fait, vous allez mettre 10 économistes dans la même pièce, ils ne seront pas tous d'accord justement. Et à partir de là, il y a quelque chose qui est laissé à un biais d'interprétation, on va dire, que je n'aime pas dans le trading, puisque ce qu'il y a de mieux dans le trading, c'est quand on peut avoir des prises de décision du coup strictes, carrées, sans discussion, et c'est le genre de choses qu'on peut faire avec l'analyse technique et la compréhension. Parce que l'analyse technique, pour moi, c'est la compréhension de l'interprétation aussi du comportement humain. Donc les acteurs de marché vont prendre l'information fondamentale, la digérer et prendre des décisions, et moi je serai sujet à réagir à ces réactions et surtout à ces décisions que eux vont prendre. Et du coup, étant donné qu'on a toujours la confrontation acheteur-vendeur sur les marchés, bien sûr, la recherche de liquidité, de déclenchement d'ordre sur les marchés, quand on comprend le concept, on est à même de pouvoir du coup prendre des décisions répétitives, mesurer aussi, si tu veux, l'efficacité de ces prises de décision dans le temps, parce que du coup c'est testable en fait, et ça c'est super important. Voilà pourquoi je suis sur du technique. Elias qui nous est bonjour à tous, bienvenue à toi Elias. Et aussi il faut le dire, hein, Glenn, bien sûr, l'analyse fondamentale peut intervenir beaucoup plus aussi dans la partie swing trading, dans une partie si tu veux des trading intraday. Peu importe qu'on soit en récession ou pas, des fois il y a des achats à prendre, par exemple tu vois, sur les bourses, etc. Et ça on le voit et on peut le traiter que aussi avec l'analyse technique directement. Donc voilà, mon retour par rapport à ça. Elias qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi. Du coup, Serpent qui nous dit bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jérémy, j'arrive tard, mais j'arrive. Du coup, et je du coup, pensais ne pas être rentré à temps. Ah, ça marche, pas de souci, Serpent. Bah écoute, ce matin, c'est pas extraordinaire. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller du coup ici prendre le rebond qui aurait été la plus jolie position de ce matin. L'euro dollar, j'ai fait deux rebonds en retracement qui n'ont pas fonctionné ici et là. J'ai pas testé plus profondément, même si pour l'instant, bah, ça aurait été sécurisé. Mais c'est vrai qu'il y a cette borne haute ici et je vais pas m'acharner non plus. GBPUSD qui a besoin d'une borne basse idéalement aussi. Là, il y avait une petite baisse avant, mais du coup, j'étais sur l'euro dollar tout à l'heure. Donc voilà, ce matin, c'est pas énorme. Donc l'occasion de parler de pas mal de petites choses ici aussi. Léonard qui nous dit salut, tu ne montres plus ton système Renko en live. Alors Léonard, on est sur la mise à jour justement du système LTR et migration sur MetaTrader 5. Donc en fait, on a beaucoup de travaux là-dessus. Et à l'heure actuelle, ouais, je vais plus être sur ces Renko MT4, parce que je vais faire la mise à jour MT5 et je vais, pour ma part, à l'avenir, en fait, trader sur mon compte réel avec cette mise à jour MT5, dont tu peux retrouver sur ma chaîne perso l'évolution, puisque de tous les dimanches soirs à 19h, je fais un live où je montre justement le système et je fais des analyses pour la semaine, etc. Mais si tu veux, le système LTR Renko hybride va rester pour moi principalement sur les comptes micro futurs et contrats mini futurs, puisque c'est une autre plateforme aussi ici que MT4. MT4, on est arrivé en fait sur les limites des limites du développement. Du coup, on est passé sur une migration, ce qui nous ouvre aussi les portes vraiment pour beaucoup plus de plateformes également, des demandes qu'on avait eues dans le temps. Et du coup, il y aura une version du système LTR spécial pour MetaTrader 5 et d'autres types de plateformes, pardon. Et il y aura la version toujours Renko LTR hybride, telle que du coup je l'ai déjà partagée et que je l'ai déjà montrée, sur une autre plateforme que je ne mentionne pas, puisque pas supportée par Admirals et plus côté contrat pardon, mini futur et micro futur. Serpent qui nous dit, est-ce normal que d'un broker à un autre, les graphiques diffèrent? Soit différent, tu voulais dire, je pense, pour une même paire périodicité. C'est normal parce qu'en fait, si tu veux, tu vas avoir des prix différents CFD d'un broker à un autre. C'est la différence aussi avec les marchés futurs, où sur le marché futur, tout le monde a le même prix, peu importe le broker. Marché CFD, tu as des prix différents en fonction du broker. Parce que du coup, c'est du CFD, c'est pas du futur et c'est comme ça. Donc c'est là aussi il faut faire attention et tu distingues à partir de là deux types de brokers, les brokers qui sont market makers et ceux qui ne le sont pas. Market maker, c'est lui-même directement qui va être la liquidité du coup de ta, enfin qui va être la contrepartie de ta position. Donc tu es exécuté oui instantanément, mais si tu gagnes lui il perd et si tu perds lui il gagne. Alors que chez un broker qui n'est pas market maker comme Admiral, ben, c'est différent. Il est rémunéré ce broker comme Admiral ici. Hein.
est rémunéré comme intermédiaire vraiment. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, à travers le spread ou à travers la commission, selon que tu sois sur un compte trade MT5 par exemple ou 0 MT5. Et du coup, lui, il va chercher, si tu veux, sur le marché de la liquidité pour toi. Il va, du coup, avec des fournisseurs de liquidité, te trouver la possibilité de prendre la position. Mais il ne sera pas ta contrepartie. Donc, avec tout ce jeu-là, si tu veux, du côté des brokers CFD, tu as des différences de prix entre brokers CFD. Sophia qui ne disait pas terrible ce matin. Non, clairement, il y avait le meilleur, c'était le rebond ici. Et il se limite au prix médian. C'est dommage parce qu'on aurait eu un énorme ratio hein, jusqu'à la borne haute. Bon, c'est aussi pour ça que ça arrive moins souvent. Hein. Plus vous avez des ratios importants, moins le taux de réussite est du coup important. Ça, c'est normal, c'est logique. Vivi qui nous a hello Jérémy, bonjour tout le monde, bienvenue à toi Vivi, j'espère que tu vas bien. Serpent Snake qui nous dit merci pour ce petit résumé, je t'en prie Serpent. Et Brice qui nous disait aussi, alors peux-tu nous expliquer pourquoi l'historique du DAX se prêtait à un bon rebond sur la hausse de la borne basse du range? Yes, alors regarde, on va repartir sur le contexte ici. D'ailleurs, il était toujours sélectionné. Donc, en fait, ici, ce qui se passe récemment sur l'axe, c'est qu'on est sorti donc de cette grande zone pour ensuite ranger juste là. Ce qu'on a eu récemment ici de très intéressant, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de tests sur cette borne basse et donc cette borne haute qui nous permet de définir ce trading de range. Mais c'est aussi donc cette réintégration récente qu'on a eue ici qui nous permet de nous dire le marché, du coup, au lieu de réagir directement sur l'obstacle résistance, a en fait souhaiter réintégrer et marquer cette résistance plutôt en rebond possible support, tu vois. Donc à partir de là, la borne basse était intéressante pour un rebond ici, puisqu'en fait c'est une réintégration de zone de range. La résistance repasse en théorie, bien sûr, ça se confirme ou pas dans la pratique, ça c'est pareil, c'est un taux de réussite qui se met en place en support juste ici. Donc c'est pour ça que du coup et avec aussi cette impulsion là aussi, hein. Ça c'était intéressant pour changer le biais directionnel plutôt que de jouer vraiment le rebond. Comme ça, on a une cassure, donc on pouvait aussi plus continuer. Donc là, limité pour l'instant avec le dernier saut, on revient autour des derniers creux. Mais voilà l'explication pour le bail que je voulais prendre ici, sur le DAX, sur un tout petit toucher d'une zone extrême. Voilà pour toi Brice Aïssa qui nous est le live d'hier sera retransmis s'il te plaît, merci Jérémy. Alors le live de mardi soir, oui, le live de mardi soir il sera en ligne justement courant de la journée. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer en fait la petite cloche sonore pour être prévenu justement du replay, de la publication du replay. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais du coup n'hésitez pas à liker, partager, hein, plus on sera nombreux, plus on pourra continuer de faire des choses. On est 140 ce matin, 103 likes. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de liker. On peut arriver aux 125 objectifs hein, en séance, ça fait toujours plaisir. L'objectif, on devrait dire numéro 2, clairement. Pour que du coup on soit toujours ensemble lors de ces séances à l'avenir, bien sûr, c'est toujours important. Et Yas, tu nous disais, Brice, tu as la prophétie autoréalisatrice qui peut servir d'explication à une réaction aussi. Serpent qui disait, ok, merci pour ton explication, j'en apprends tous les jours avec toi. Avec grand plaisir, Serpent, n'hésite pas. Ton avis sur l'Eurode, nous disait Vivi, s'il te plaît. Alors, l'Eurode, on va aller le voir sur ce graphique-là. Est-ce que je l'avais déjà ouvert? Non. Voilà, hop. Alors l'euro d'ici récemment dans une belle zone de consolidation aussi, hein, clairement. On en retrouve partout, c'est ce que je vous disais, bah, toujours dedans en fait. Toujours dedans, parce que oui, vous avez des sommets plus petits ici, mais enfin des clôtures en tout cas, mais les sommets sont là aussi. On va voir juste quel genre de niveau ça donne. On va parler à ce moment-là des 1,53 hein, sans grand souci et des 1,5660 en fait. Donc trading de range sur sa borne haute et résistance, hein, du coup vraiment ici, on voit que ça consolide aussi. On a une oblique de ce côté-là. Là, ça bloque aussi ici, mais bon, de toute façon, on a la résistance borne haute de la zone de range. Mais vous voyez du coup le scénario dans lequel on évolue, ça consolide comme ça, soit pour un breakout haussier, test du dernier sommet, soit pour un breakout baissier, attention rapidement au dernier creux aussi. Parce que quelque part, on pourrait dire très bien qu'on est dans un range. Vous voyez, un creux là, un creux là, un creux là, un creux là, un creux là. Du coup, c'est même le scénario que je favoriserais ce trading de range ici aussi, comme ça. Avec réintégration là, retest ici, tac, 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 comme ça. Donc, ouais, attention. Attention, on est sur des niveaux très intéressants en cas de cassure, mais on est sur de la consolidation aussi à court terme.
La baisse qui se relance un petit peu sur le footy, c'est vrai que je l'avais un peu oublié comme je vous le disais, mais du coup une fois que c'est lancé trop tard. Comme par exemple ici, hein, moi j'aime pas chasser en fait l'opportunité. Une fois qu'elle est passée, bah, si on est devant très bien, si on n'est pas devant tant pis. Le but bien sûr après c'est que si vous êtes sur un compte réel et que vous avez fait votre backtest et que vous savez du coup votre taux de réussite, vos ratios, bref vous êtes prêt à trader, il ne faut jamais louper les opportunités bien sûr. Donc moi par exemple, hein, quand vous me verrez en 2023 reprendre le trading sur compte réel, je vais rater aucune des opportunités qui se présentent à moi sur mon plan trading, ma stratégie avec l'assistant du coup qui me permettra du coup aussi de ne pas louper l'opportunité en question. Sandy like, ça fait plaisir, merci à tout le monde. Life for Trading qui dit bonjour, ton avis sur le gold s'il te plaît. Alors hop. De toute façon on va. Ouais 56. Bah écoute, on refait le point marché, on va partir sur le gold aussi. Hop, le graphique, voilà. Donc vous voyez bien qu'on évolue toujours dans ce trading de range, limité par le point pivot du jour. Après cette réintégration, c'est sûr qu'on a une jambe d'impulsion comme ça, mais on revient dans le range. Donc attention, cette borne basse qui est défendue encore et vous le voyez ce matin. Il faudra vraiment s'affranchir de cette zone pour aller tester des creux précédents ici. Et on a la concordance intéressante, zone support S1 et 14 200 points. Mais sinon, voilà, trading de range jusqu'à preuve du contraire. Du côté du CAC 40, ça va être la même histoire. Du range encore et encore, et on n'a même pas été chercher un test borne basse ou borne haute dans notre séance. Donc attention, réaction juste sur le prix médian pour l'instant. Du côté du FTSE 100, c'est une cassure ici, du coup, qui se fait avec réaction, donc plutôt côté résistance ici. Hein, je vais vous le mettre ici en résistance, le break baissier qui se fait sur le FTSE pour aller chercher le test de sa mèche précédente et notamment de ses zones support pour l'instant avec un joli toucher des 7467,50. Donc forcément, hein, vous en doutez, on continue de ranger aussi sur le S&P, sur le Nasdaq comme on l'a vu ce matin dans la première demi-heure. N'hésitez pas à regarder le replay. Hein. Vous l'avez en fait dispo tout au long de la journée pour voir même vous préparer à la séance US. Vous pouvez regarder le replay des lives de ce matin quand je parle des marchés américains, voir si le contexte tient toujours ou si on a développé un scénario aussi au baissier fonction des cassures de range puisqu'on évolue toujours dans ces ranges. Et du côté du gold justement ici, quand on regarde ce qui se passe d'un point de vue horaire, on évolue dans un trading de range avec du coup des creux par là, des sommets par ici, et on est sur le point de tester cette borne basse possible pour un rebond avec le point pivot. Attention juste au prix médian et à la borne haute. Et si par contre on a du break, respiration pour réintégrer l'ancienne zone de range possible, ou en tout cas tester dans un premier temps sa borne extérieure en support. Voilà, on en est aussi sur le gold. Du côté du Brent, on réagit donc face à cette zone résistance pour aller chercher le creux précédent, voire même tester bientôt les 77,50. Donc c'est plutôt rejet baissier ici. Dans cette zone-là, attention à des rebonds ou cassures pour une poursuite. Côté du coup euro dollar, je voulais du rebond. Alors on a été c'est vrai chercher plus bas, ça aurait déjà permis de sécuriser, mais du coup on est quand même bloqué par rapport à cette zone-là et je voulais pas m'acharner ce matin non plus. Puisque quelque part on est toujours sur le même test borne haute de cette zone de range en cours avec un point pivot qui est fait office un petit peu de prix médian de la zone justement. Du côté du GBPUSD, on est enfin sur un test borne basse, ça peut commencer à devenir intéressant. Du coup sur ce GBPUSD, faut-il encore avoir du coup des arguments dans cette zone-là ici? Tout simplement, graphique quoi, qui va vous montrer voilà justement les tests zone support des 1,2175, la borne haute et résistance des 1,2 25 avec un prix médian 1,2200. Et puis sinon voilà le Bitcoin qui est sur une tentative de réintégration de sa grosse zone de range des 16 900. Alors techniquement on a réintégré, c'est juste qu'il va falloir voir si le rejet ici se fait avec un test de la résistance ou si on réintègre, et à ce moment-là on est dans le petit range et en attente peut-être d'un break aussi. Donc voilà, on en est sur ces marchés pour le restant de la journée. Et pour votre donc séance US aussi, n'hésitez pas, je vous le disais, vous avez le replay disponible pour regarder du coup les actifs US avant l'open, voir où on en est par rapport au scénario que je vous ai énuméré ce matin aussi. Je vais revenir sur le chat ici. Je vais voir d'ailleurs, il n'y a pas de questions hein, sur Zoom, ok parfait. Brice qui nous dit merci pour vos réponses, tes explications sont toujours au top Jérémy, merci beaucoup Brice, ça fait très plaisir, 112 likes, on est plus si loin des 125, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, ça fait vraiment plaisir, et ça qui nous disait aussi, ok merci je t'en prie. Tu nous dis aussi, il faut liker en arrivant les amis, comme du coup le dépôt chez le broker Jérémy. Merci beaucoup Aïssa, ça fait plaisir. Medmet qui nous dit aussi, pour ton prochain webinaire, il faut être en compte réel pour y assister. Exactement, la semaine prochaine, du coup je vous repartage ça tout de suite d'ailleurs.
La semaine prochaine, c'est le dernier webinaire de l'année que nous réserve 2023 Trading Investissement. On va parler d'analyse technique, justement d'analyse fondamentale aussi, psychologie en trading, des astuces aussi pour votre trading et vos investissements courants de l'année 2023. Et du coup, ça va être 1 heure et demie assez intéressante. Donc n'hésitez pas, c'est la semaine prochaine. Justement, je vous redonne le lien. Il vous suffit d'avoir un compte réel chez Admirals. Vous n'avez pas vous n'allez pas avoir besoin d'avoir spécialement 1000 euros, 500 euros ou 5000 euros sur le compte, peu importe. Vous êtes tous les bienvenus du moment que vous avez un compte réel, bien sûr, chez Admirals. Konak qui nous disait un tour sur le CAC 40 en M5. Alors, on a fait le tour sur le contexte horaire. Sur le M5, de toute façon, tu auras le détail de ce rejet du prix médian pour l'instant, avec un double test ici qui bloque même la baisse en direction de la borne basse, hein, tout simplement. Rafik qui nous dit les bénéfices avec Jérémy n'est pas que l'argent, le savoir est le plus important. Ah, c'est gentil, merci Rafik. Très joli message, clairement. Merci à toi Raphaël qui nous dit merci Jérémy, bonne journée à tous avec des likes. Merci à toi aussi Raphaël et merci pour les likes. 114, ça fait très plaisir aussi Nicolas qui nous dit merci et promo, t'arrêtes les du coup. Promis, je pense que tu voulais dire t'arrêtes les du coup et j'arrive mon compte réel. Ça marche Nicolas, bah écoute, tu sais quand on a des expressions comme ça qui nous tiennent, c'est pas évident à enlever. J'essaierai si tu veux, j'essaierai. Mais en tout cas, bon voilà. Medved qui nous dit merci. Je t'en prie, Medved, avec plaisir. Je vous souhaite à tous du coup une excellente journée. Un très très bon trading. Je vous le disais, vous avez le replay dispo bien sûr pour voir ce qu'il en est avant l'open américaine avec les analyses qu'on a fait sur les marchés US ce matin, au début et à la fin de séance. Vous allez avoir aussi aujourd'hui même donc le replay du webinaire de mardi soir où on parlait justement déjà de comment trouver des opportunités de trading et d'investissement courant de l'année 2003. Donc c'est un peu un prémisse justement au fameux webinaire de la semaine prochaine. On ira encore plus loin. Donc je vous invite bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche sonore. Vous aurez comme ça la petite cloche des notifications, je devrais dire, vous aurez la notif dès la publication de la vidéo. Carole qui dit bonne journée, merci à toi aussi, Sophia, à bientôt, merci d'être passé. Nous voir aussi, Sophia, ça fait plaisir. Pas séance extraordinaire pour le coup, mais ça fait plaisir que tu sois passé. Serpent qui nous dit merci beaucoup, Jérémy, même si je suis arrivé à la fin. Bonne journée à tous et à toutes. Merci à toi, hein, du coup, Serpent, avec plaisir. N'hésite pas à regarder le replay, en tout cas, il est dispo dès la fin de la séance. Ici, Daniel qui nous dit merci, Jérémy, pour ton live. Bonne journée à tous, avec grand plaisir, Daniel. À 116 likes, ça fait très plaisir. Merci à tout le monde, très bonne journée, très bon trading. Françoise qui nous dit merci, top ta séance, toujours pédagogique. Merci beaucoup Françoise, avec le petit rayon de soleil, ça fait vraiment plaisir. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui en Andorre, donc ça fait d'autant plus plaisir. Très bonne journée à tous, très très bon trading, et je vous retrouve avec plaisir dès demain matin, 8h30, 10h.